À l'entrée d'un parking, un panneau annonce « Parking 230 places ». Premier étage, 9 rangées de 15 places. Deuxième étage, 7 rangées de 14 places. L'information donnée sur le panneau est-elle exacte ? Eh bien là, on n'a pas trop le choix. Il va falloir qu'on calcule le nombre de places. On va calculer le nombre de places au premier étage, puis le nombre de places au deuxième étage. D'accord ? Tu vois, le parking il est un peu comme ça. On va essayer de trouver combien on a de voitures au premier étage, c'est-à-dire ici, et combien ici. Alors, en haut, on a 9 rangées de 15 places. On va faire 15 multiplié par 9, et on va trouver le nombre de places au premier étage. 9 fois 5, 45, je retiens 4. 9 fois 1, 9, et 4, 13. Au premier étage, on a 135 places. On fait la même chose au deuxième étage, 7 rangées de 14 places. On va donc faire 14 multiplié par 7. 7 fois 4, 28, je retiens 2. 7 fois 1, 7 et 2, 98. Au deuxième étage, on a 98 places. Il y a 98 places au deuxième étage. Alors maintenant, on va compter combien on a de places en tout, c'est-à-dire on va faire 98 plus 35. 135 plus 98. 8 plus 5, 13, et je retiens 1. 9 et 1, 10 et 3, 13, je retiens 1. 1 et 1, 2. Le parking a 233 places. Alors, il était écrit que dans le parking, il y avait 230 places. En réalité, il y en a 233. Est-ce que l'information donnée sur le panneau est exacte ? Non, elle n'est pas exacte. Par contre, elle n'est pas mensongère. Il vaut mieux qu'il y ait 3 places de plus que 3 places de moins.